les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas ça? Oui. Amen. 5-16. Nous y sommes. Est-ce que vous y êtes? Amen. Vous y êtes? Toujours dans la mine, dans le monde. Jacques 5, verset 16, nous dit que confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste. Prière à Makasi. Du juste a une grande efficacité. Prière à Makasi et pas à Moyenge Beni et Zali Pesan à Bokasi Koleka. Fermons nos yeux, nous allons prier. Père, nous laissons la parole entre tes saintes mains. Merci parce que ta parole nous dit que là où deux ou trois sont tenus à mon nom, je suis là. Nous savons que ta présence est là. Là où tu règnes, il y a l'absence totale du diable. Là où tu règnes, il n'y a pas de ténèbres. Et les ténèbres ne négocient jamais. Parce que tu es la lumière. Quand tu arrives, Seigneur, tu éclaires ton peuple. Merci, Seigneur, parce qu'à travers cette parole, tu vas nous éclairer. Tu vas nous parler, tu vas nous bénir. Car tu es Dieu. Nous résistons devant toute puissance satanique. Nous résistons devant toute force démoniaque. Tout ce qui ne confesse pas ton nom. Tout esprit de distraction. Tout esprit d'assoupissement. Tout esprit de lourdeur. Tout esprit d'envoûtement. Nous te brisons. Nous te chassons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous laissons la place au Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, agis. Cher Saint-Esprit, œuvre cet après-midi, parce que nous avons besoin de toi. Dispose le cœur de tout et chacun de nous pour recevoir la parole. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que ta parole crée, Seigneur, dans nos vies. Merci parce que la parole de cet après-midi va recréer encore. Merci parce que la parole d'aujourd'hui va ressusciter. Là où il y a eu la mort, tu vas donner la vie. Là où il y a eu la maladie, tu vas donner la guérison. Parce que tu es juste et tu es fidèle. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons lu sur tout, la Bible nous dit que confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns aussi pour les autres. Nous continuons avec notre thème, la prière. Nos bien-aimés ont passé ici, on a donné les définitions. L'évangéliste Dimitri a parlé, la prière étant que se communier avec Dieu. Évangéliste Dimitri a dit que tes prières les allaient penser à communication. Communier, pas communication, communier. Papa Denis aussi a parlé de la prière. Papa Denis aussi a dit que c'est notre vie quotidienne. Donc ça doit lier avec nous. Papa s'il va parler de dialogue. Il a parlé de dialogue. Il y a un dialogue entre deux personnes. Il y a aussi monologue si quelqu'un parle à lui-même. Aujourd'hui nous sommes parlé encore, nous avons commencé avec la prière. Mais la prière comme un élément de communication. Communication. Quand on parle de la communication, donc cela veut dire dialoguer. Cela veut dire passer les messages. Bien aimé, Dieu nous a doté des organes de perception, des organes pour communiquer. Nous avons besoin des organes. Des organes de sens.
ce qu'on appelle. Je crois qu'un jour, donc j'ai tout expliqué ici. Mais on va prendre seulement quelques éléments. Donc les organes que Dieu nous a dotés. Qui peut nous aider à communiquer. Qui peut nous aider à entrer en contact avec les gens. Nous avons les yeux. On appelle ça le vu. Nous avons les oreilles. Ce qu'on appelle lui. Nous avons la bouche. Donc, c'est le langage, le parler. Nous avons les mains aussi. Donc, à travers les mains, tu peux passer aussi les messages. Tu peux collecter moi un message. À partir du sixième sens. À partir du sixième sens. Autrefois, je croyais que le sixième sens c'était pour les magiciens, pour les gens là qui font le sixième sens, c'est ali pour la batoua ça la magie ou bien solo. Mais quand j'ai fait la médecine, maintenant qu'on a sali, j'ai bien compris que donc c'est l'organe que Dieu nous a doté. Que tu sois païen, ou que tu sois chrétien, Dieu nous a doté aussi de ce sixième sens. C'est très important, on va en parler. Je veux dire qu'un enfant de Dieu doit avoir tous ses organes pour entrer en contact avec son Dieu. Vous pouvez dire que nous avons des yeux, nous avons la bouche, mais nous avons les oreilles. Mais la Bible aussi nous dit ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont les oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont la bouche, mais ils ne parlent pas. Il s'agit de quel organe que Dieu veut nous parler ici. Bien aimé, si tu as reçu Jésus dans ta vie, il faut avoir tous ses organes aussi, mais que ça soit spirituel. Comment je vais expliquer? Qui a les yeux physiques pour voir ce qui se passe dans ces 4000 qui sont ici? Mais celui qui a les yeux spirituels, il va voir les choses aussi invisibles. Si tu as les oreilles, c'est normal, tu vas entendre n'importe quoi. Et ça va influencer aussi ta vie. Soit en mal, soit en bien. Mais un enfant de Dieu, celui qui a reçu Jésus, dans sa vie, il doit avoir les oreilles spirituelles. Si tu as les oreilles spirituelles, c'est dans ces moyens que tu vas comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut me parler? Qu'est-ce que Dieu me demande? Bien aimé, dans la communication, il y a une relation qui se passe. Il y a la relation horizontale. Il y a aussi la relation verticale. Voilà pourquoi je rentre dans mon verset. Ici l'apôtre Paul dira: confessez vos péchés les uns les autres. Priez aussi pour les uns et pour les autres. Ça, c'est la relation horizontale. Et qu'est-ce que la Bible continue? Si vous priez les uns les autres, si vous confessez les uns les autres, c'est dans ce moment-là que vous serez guéris. Bien aimé, il y a la guérison spirituelle. Il y a aussi la guérison physique. Tu peux être malade, on prie pour toi, mais tu pars à l'hôpital, on te donne l'injection, les médicaments, tu dis que je suis guéri. Mais si spirituellement tu es lié, si cette maladie est venue de spirituel, la chair va être guérie, mais ton esprit, ne sera jamais guéri. Or, ici la Bible nous dit: confessez vos péchés les uns les autres. Et pourtant, la Bible est colombée. Tout le monde a dit son mot. Priez aussi les uns pour les autres. Afin que vous soyez guéri. Bien aimé, je vais dire à une personne: tu viens à l'église chaque jour. Tu pries, tu viens à l'intercession. Tu n'as jamais confessé. Mais au-delà de ton
Pardonne-moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui dans notre communauté. Tu as dit du mal, le mal de quelqu'un. Il est mécontent. Il vient parfois te demander. Pourquoi tu as dit ça? Au lieu de confesser, de s'humilier, de dire que mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Qui te fait maintenant victime? Donc tu commences à tourner partout. Donc il faut avoir l'humilité. Il faut que ça la comique. Il faut que nous soyons aussi clairs. Il faut que toi ça la personne en derrière vous. Si tu vois que tu as commis l'erreur, si tu penses aux alliés coyer, l'enfant de Dieu, moi na oh ya, celui qui est l'esprit de Dieu, on pense ça na moli mon encolo. Donc il doit se soumettre. Il faut penser à lui. Il doit s'humilier. Ami, il doit se connaître. Ami, et bien lui se soumettre. Il doit se soumettre. Pardonne-moi. Mais comment si j'ai fait ça contre toi? Donc, confessez vos péchés de et puis nous allons prier. Père, aie pitié de nous. Pardonne ma sœur. Pardonne aussi mon frère. Il m'a fait ceci d'abord. Je l'ai fait ceci, c'est là. C'est à ce moment-là que vous serez guéri. C'est que ton esprit sera guéri. Et pour ton corps aussi sera guéri. Donc, rancunier, on a rancune. On dit que ça a été. Alors, au sol, on a répété, comme il n'y a pas de communication, c'est toi qui vas souffrir, n'est-ce pas? Tu vas souffrir, au sol, là, on a répété. Ah, ma camassa, on a répété. Mais la communication, c'est très importante. Parce que tu as dit, non, ma sœur a dit, c'est tout. Donc, tu parles, tu vas communiquer avec lui. Et quand tu vas écouter ton frère et soeur, et le problème sera résolu. Vous allez continuer le chemin. Voilà pourquoi la Bible nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Qui est celui qui est juste? Mais c'est celui qui marche de la foi de Dieu. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Toi, tu n'as pas pardonné ton frère. Tu n'as pas pardonné ta soeur. Tu viens à l'église pour prier. Tu viens pour adorer. La Bible nous dit cherchez la paix avec vous. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification, la voie de la justice. Quand tu pardonnes ton frère, tu pardonnes ta soeur, tu auras le courage de prier pour lui. Si tu as de la haine, Dieu, je laisse maman vous rentrer de Saint-Dimé. Je laisse maman je n'aime pas maman fille. Je laisse maman, parce que tu n'aimes pas. Donc s'il n'y a pas l'amour, il va sauter. Mais la Bible dit prier les uns pour les autres. Il ne faut pas sauter. Non, parce que il y a un simbaraté. Non. Les uns les autres de la communication latérale. S'il y a la communication latérale, c'est à ce moment-là tu vas monter dans la communication verticale. Toi et Dieu. Donc dans la communication de nous, le peuple avec notre Dieu, communication ma solo entre Ngaïna, ça crée aussi une relation entre toi et Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit. Il n'y a pas de plaisir au péché. Il veut que nous soyons saints. Et dans la prière, et dans la communication, c'est ce qu'on fait, la médecine connaît. Parce que le cours de la communication, donc au début, c'était difficile. Quand on parlait, donc quand on faisait même des cours, on parle surtout ici en allemand, donc on dit toujours
les Inda ou Mfena, n'est-ce pas? Oui. Donc il y a des personnes. Donc quelqu'un qui va envoyer le message. Et l'autre qui va recevoir. C'est ça la communication. Donc c'est ce qui passe entre nous et nos amis, nos frères et sœurs. C'est ce qui se passe aussi entre nous et Dieu. Parfois nous sommes des envoyés, donc des Inda. Souvent peut-être que tu as un Dieu va recevoir. Et parfois aussi, Dieu aussi envoie des messages. Souvent peut-être que tu as envoyé. Nous aussi, nous devons recevoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais dans la communication entre envoyé et les receveurs. Il faut qu'il y ait l'éloquence. Il faut penser moi. Quand on parle d'éloquence, donc c'est l'art de bien parler, donc moi, de transmettre les messages. Il faut penser que moi, Koyo, Kana, Ezala, message Ango, Ele, Kamala. Transmission des messages d'une manière, d'une façon claire et nette. Pour message Ango, Penza, Ele, Kalolenge, claire et nette. C'est donc, ça. Ele, Kana, précision, Nyon. Avec précision. Là donc il y a une bonne communication. On a pensé à communication mon quoi madame Moïse. Mais s'il n'y a pas le message ne passe pas bien. Mais ce qui pense à message en vous c'est que madame. Ah oui. C'est très important. Madame l'envoyé et le receveur. Ce qui communication est qui madame Moïse entre Moutou Atinda qui n'a Moutou Azui. Donc il y a quelque chose qui va se passer au milieu. Mais ça n'est pas comment quoi qu'on est kakatika. C'est ce que nous appelons le conflit. Y a un mot à tomber kaka. Conflit. Donc dans la vie, même dans nos foyers, il y a des conflits. Parce qu'il n'y a pas de communication. Communication des même s'il y a la communication, mais c'est erroné. Mais na donc c'est pas clair et net. Oh, dans la communication, il faut être clair et net. Donc il faut que le message passe. Mais si le message ne passe pas, ce message est malheureusement ça qu'on là il y a un problème. C'est que Koko Soezali. Entre Dieu et les hommes, son peuple. Entre Nzambe, na biso batunae. Quand tu viens à l'église, tu pries. Il y a déjà un conflit, grand conflit entre toi et Dieu. Mais aussi déjà on y crée un conflit. Quand tu as conflit, ma casse dans incompréhension totale. Comment? Dieu, tu viens, tu commences à prier. Oye, au bandit qu'on semble là. Je veux que tu me donnes le mariage. La ligue peut s'en aller. Je veux que tu me donnes les enfants. La ligue peut s'en aller. Je veux que tu me donnes l'argent. La ligue peut s'en aller. Tu as demandé, tu as demandé. Au Seigneur. Tu as envoyé. Au Tindi. Maintenant, Dieu aussi de son côté. Mais ça ne peut pas mon pensée na elle. Il dit qu'il cherchait la paix avec tous. Sans la sanctification. Ceux qui ont senti ça mi. Personne ne peut me voir. Tout le monde est à comme on engage. Tu dois chercher la sanctification. Il faut marcher dans l'intégrité. Il faut venir à l'église avec l'intercession. Il faut venir à l'église avec l'intercession. Dieu aussi a envoyé. Zambe peut atteindre. Ce que Dieu a envoyé. Oh, Zambe atteindre. Toi, tu ne fais pas. Yo, ça pour ça l'angote. Mais tu attends de Dieu. Mais on s'en cause là. Pas Zambe. Il me donne. Oh, il y a un peu ça. Il y a un conflit. Conflit est ça. Dieu te dit que moi, je suis jaloux. Je veux que mon père puisse aller adorer ou bien sa genou devant les idolâtres. Zambe a l'obé. Et la ligue de la terre. Donc, je n'ai pas l'idolâtrie. Toi, tu as entendu. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas des oreilles spirituelles. Parce que tu as des oreilles spirituelles. Tu vas faire autre chose. Il y a des conséquences. Voilà pourquoi, même dans les jardins d'Eden. Et c'est là où il a commencé le conflit. Qui est dit à Adam? Quand tu as fourri de la vie et de la mort. Donc tu ne mangeras pas. Alors qui s'est dit oh y a bon mon père il va le jour où tu vas manger ça tu vas mourir. L'homme donc la femme est venue à séduire l'homme et mari. Moi si aïe ils ont pris les fruits. Bah oui les gens vous mangez pas lié. Il communiquait avec Dieu. Chaque jour, il présentait. Chaque jour, Dieu vient. Donc, on va communiquer avec Adam et Eve. Ils ne sont pas là. Mais, Adam, il va communiquer avec Adam et Eve. Adam, où es-tu? Adam, il cherche, tu ne vois pas. Tu es où? Qui est mon non, je me suis caché ici. Hé! Hey,
Tu commences à te cacher, on ne dit pas. On pense que je suis libéré. C'est depuis quand que tu as été mis. Et la femme qui était mise à côté de moi. Le conflit commence. Conflit est bandit. Dieu avait dit. Mais l'homme a fait autre chose. Le châtiment est venu. Allez, ma soupe, la communication est bandit. La communication. Maloba. Esaïe chapitre 1. On dit tout d'abord les conflits pour pouvoir continuer. Totang a conflit. Esaïe chapitre 1. Verset 1 jusqu'au verset 7 et puis 12 à 20. Esaïe chapitre 1, nous vivons au nom de Dieu. Prophétie d'Esaïe, fils d'Amos. Comment ça, c'est le verset 2, donc chapitre 1, verset 2. Dieu, écoutez. Il faut aller lentement, je vais te suivre. Parce que là, je ne vais pas beaucoup expliquer. On va prendre seulement les éléments. Nous voulons comprendre le conflit entre Dieu et conflit. C'est toujours au travers des organes que Dieu nous a dotés. Dieu nous a donné la bouche, les yeux, les oreilles pour entrer en contact avec les monde. Bien aimé, ce sont toujours les mêmes organes qui nous a poussés aussi dedans. D'entrer dans les péchés. Donc, il faut bien utiliser les organes que Dieu t'a donnés. Il faut penser que ça, c'est la malade, on a un organe, on a un sens. Parce que si tu es pas en mal, donc tu vas tirer des conséquences. Ce qui est ok, na mal. Na ma bé. Na mal. Ce qui est bien, c'est la malade, tu vas payer. Ce qui est bien, c'est la malade, donc tu vas payer des beaux fruits aussi. Amen. Ce qui est ok, c'est la malade, donc tu vas payer des beaux malades. Il y a des conséquences. Et ça, les pensées, na moi, donc les mêmes organes que Dieu nous a donnés, Dieu aussi en a, Dieu aussi communique avec nous. Parce qu'il peut communiquer dans le bisopé. Prends-toi pour le deuxième conflit, Esaïe commence. Joie Esaïe. Esaïe 1, verset 2, nous lisons dans le juste. Dieu, écoutez. Terre prête l'oreille. Ah, même la terre, prête l'oreille, ça veut dire la terre aussi a les oreilles. C'est toi, peuple de Dieu. Donc Dieu te confie dans les oreilles qu'il t'a donné. Donc tu dois attendre ce que Dieu te dit. Amen. Car l'Éternel parle. Dieu aussi a une bouche. L'Éternel parle. Il a utilisé la bouche pour nous parler. J'ai nourri et élevé des enfants. Ah, j'ai nourri. Donc la bouche, la colis bana. Mais ils se sont révoltés contre moi. La révolte arrive. Donc s'il y a des conflits, donc l'enfant, le peuple de Dieu se révolte. Le bœuf connaît son possesseur. Ah. Et là, la crèche de son maître. Ngombe kutoye bi mukolo na ye. Babi ali ba ye bi meme maître na ye. Israël ne connaît rien. Israël a ye bi elo kote. Mon peuple n'a point d'intelligence. Peuple na ali bota na zana mayele te. Malheur à la nation pécheresse. Mawa na nation o ya masumu. Au peuple chargé d'iniquité. Peuple attendu sa mine à ma soumou. À la race des méchants. Race au libota ya kanda. Aux enfants corrompus. Bana ya corruption. Ils ont abandonné l'Éternel. Bati kinzambe. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Oh, babouaki renzambe, mon Saint Israël. Ils se sont retirés en arrière. Bazongissima. Quel châtiment nouveau où vous infligez. Continuez. Quand vous multipliez vos révoltes. Oui. La tête entière est malade. Quand vous multipliez vos révoltes, de moutou nyonso et comme malade, bien aimé. Tant que vous allez vivre quatre dans ma soumou, donc vous allez bien dans malade, vous allez dans moutou na yoti na makolo. Et tous les corps. Le cœur souffre. De la tête du pied jusqu'à la tête. Mon thème, donc, il faut bander dans ma colo, donc mon thème malade. Il faut bander dans la plate des pieds, dans le tien, dans mon tout. Rien à bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et nerfs vives. Ma pota, ma pota.
qui n'ont été ni pensés ni bandés. Ni donc batiga la bosura ba pote ya ngote batiga la ko bandé ya ngote. Ni adouci par Dieu. Votre pays est dévasté. Zamba la mo 12. Quand vous venez vous présenter devant moi. Qui vous demande de suyer. De suyer mes parfums. Même temps que vous pas vous avez suivi, 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 vous d'apporter les belles offrandes. Même ton offrande, vous voyez. J'ai en honneur l'encens. Donc cessez d'apporter vos offrandes. Donc quand tu es dans la ville des péchés, même ton offrande, Dieu ne voit pas ça. Donc il y a déjà un conflit. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mais mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Donc quand même vous fêtez, donc les cœurs de Dieu, donc ça va savoir dans tout le temps. Joie 15 secondes. Quand vous entendez vos mains, je retourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, quand vous multipliez même les prières, qu'est-ce que Dieu fait? Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez-vous. Dieu nous donne la solution. Lavez-vous, purifiez-vous. Nous avons sa propre solution. Vos socolapés, vos misantes, tout ça. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Bon, la méchanceté cessez de faire le mal. Appelez à faire le bien. Boye kola kosala malamu. Cherchez la justice. Bon, luka bosembo. Protégez l'opprimé. Protéger bango. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, venez et puis prenez nos zambas au bain à boya. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté. Ici Dieu nous demande la quoi? La bonne volonté. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, êtes rebelle, vous serez dévoré par la grève. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc si tu résistes, donc par la grève, tu vas par le pays. Donc tu seras dévoré. Si tu as cette bonne volonté, ce que vous allez penser la moins volonté, de laisser Yakotika tous ces mots-là. Si tu reviens à l'Éternel, même si tes péchés sont devenus rouges comme les cramoisies, il dit qu'il est capable de te rendre plus blanc que la neige. Donc c'est ça, Dieu nous demande la justice. Il nous demande la sanctification. Voilà le premier secret. Si tu veux que toute ta prière soit exaucée, commencez tout d'abord à chercher la paix tout autour de toi. Ne vivez pas dans les conflits. Cherchez l'Éternel. Approche-toi de Dieu.
il va t'exaucer. Et puis, parce qu'il est juste et fidèle. J'ai dit que si je ne veux pas beaucoup expliquer parce qu'on n'a pas de temps, c'est pas pour vous montrer les conflits entre Dieu et son peuple. Est-ce que tu as une bonne relation avec Dieu? Est-ce que vous avez une relation malade? Tu viens ici, tu donnes les offrandes, tu fais des chaînes, tu fais des prières, donc il fait beaucoup de sacrifices. Mais Dieu te voit toujours comme donc tu es à côté. Mais tu as donné encore une chance. Mais après ça, on est sous deuxième chance. Dit aujourd'hui, si tu entends, si vous attendez sa voix, ne résistez pas. Pour résister, venez vers moi. Je viendrai vers vous. Et puis, donc, il est juste. Il est fidèle. Si tu confesses tes péchés, il va te pardonner. Parce qu'il ne ment jamais. Et quand il va te pardonner, même ton prochain va te pardonner. C'est à ce moment-là que ta prière est une bonne communication. C'est à ce moment-là que ta prière va monter comme un parfum de bonne odeur. Et Dieu va le recevoir avec succès et avec joie. Et Dieu, quand on va recevoir ça, il va te donner maintenant la réponse. Quand on dit qu'une prière est une prière fervente, il juste a une grande efficacité. La prière fervente, le mot fervente, ça veut dire une prière avec chaleur. Il priait avec puissance. Il priait avec force. Il priait rempli du Saint-Esprit. Quand tu pardonnes ton frère, tu pries pour lui, et puis tu arrêtes la relation verticale avec ton Dieu. Tu deviens ce que les Allemands disent, tu deviens frère. Donc tu deviens libre. Et puis il y a la prière qui monte sans problème. Et la réponse aussi va descendre. Sans problème. Voilà pourquoi tu n'as pas fait ton frère, ta soeur. Il est tenté d'évoluer. Parce qu'il est souple. Parce qu'il est assez souple. S'il commet, donc il t'agresse, mais il te fait quelque chose. Donc il est habitué de dire pardon. Il est pesé à pardon. Il dit pardon. Si tout le monde va couper. Maman, il vient vers les femmes, soit si elles sont soumises. Aïe, bien, on peut bien. Sur une activité, c'est 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 une activité, la femme sage. Voici moyen que bene à tonga kanda kunaye. Tonga kanda kunayo, ça on a commis qui dit ça. Amen. T'as besoin commis qui dit ça. Donc attends, car moi, parce que l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Mais c'est ça, c'est la communication avec Dieu de mal. Donc il faut écouter. Dieu dit que nous faut pardonner. Dieu dit qu'il faut supporter. Tellement que tu n'as pas les oreilles spirituelles. Mais tellement que tu n'as pas les oreilles spirituelles. Tu ne vas pas écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une manière. Mais le peuple de Dieu n'écoute pas. Parce que nous sommes distraits. Parce que tu as la moindre distraction. Donc il faut éviter la distraction. Il faut penser à toi qui m'a distraction. Il faut qu'on lise sa molie, mon acte, la bisson. Amen. Donc si nous sommes collés à la molie, donc tu deviens souple. Amen. Donc je vais vous donner un exemple, un témoignage. Donc il y avait quelqu'un, il y avait un problème. Dieu m'a donné un verset. Si tu ne pries pas, si tu es toujours distrait, Dieu nous parle, il nous avertit chaque jour. Mais tu veux que nous aussi. Donc la période dont tu n'es pas vraiment dans le bain de prière, qui est bien te donner le message. Zamba, quand passer au message, mais donc tu es distrait, donc tu n'as pas compris. Mais tellement ça distraction, au quoi on. Et quand tu rates,
Mais tant qu'on rate encore. Et tu as aussi la bénédiction. Et on rate peut penser bénédiction. Tu as prié. On s'amélie. Donc tu as parlé, tu as envoyé. Mais on le bat qui peut au tinda qui. Maintenant, donc de recevoir. Va aussi répondre. Et puis recevoir. Donc il faut être sûr. Il faut être bien branché pour recevoir. Qui lui a donné le verset? Il a ouvert la Bible. Il a lu. Ah, ce que j'ai demandé. Il vient à l'église. Il commence à chanter dans les textes. On adore. Adoration est continue. Dieu le souffle encore. Tu dois faire la chose. Il faut ça là, action de grâce. Mais parfois nous sommes distraits. Mais parfois c'est la chair qui nous conduit. Parce que nous entendons. Il faut avoir les oreilles spirituelles. Il faut être présent dans ma toile et dans spirituel. Donc elle n'avait pas d'argent. Elle était présente dans bon côté. Il dit à son mari. Donc Dieu m'a dit. Alors, mais le mari dit non, c'est que j'ai dans les pieds. On en a besoin. Dieu m'a dit là, c'était comme ça. Ça il a pris l'action de grâce. Il a entendu Dieu. Elle est partie. Pas même une semaine. Donc elle a eu l'exaucement. Donc la chose qui est cherchée, tu as demandé au Seigneur les secrets de l'exaucement, mais ce qu'il est pensé à y abolir, mes amis, oreilles spirituelles. Les alitoy, les spirituelles. Qui a prié? Au Sambé. Qui demande? Au Seigneur. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé? Est-ce qu'il y a seulement un verset à l'obéir? Dieu t'a dit de faire quoi? Nous avons l'obéir au Salanini. Faites l'action de grâce. Ça, l'action de grâce. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'île est caca. Il m'a donné le verset. Dieu parle. Fais l'action de grâce. Ça, c'est pas Dieu. C'est parce que tu as la chair. C'est parce que vous êtes quatre. Mais celui qui est rempli de cet esprit. Mais on peut attendre ça, mais dans mon livre, mon sang. Les organes là que Dieu t'a doté. Les organes de sang sont sensibles. Mais ils sont sensibles. Et il faut peser aux la sensible. À l'écoute de Dieu. Il faut peser aux la moi. Hermios au final on a foyé au cancolo. Alléluia. Amen. On parle toujours des secrets. Pour qu'une prière soit efficace. Quand on dit qu'une prière efficace, vraiment efficacité, efficace, qu'est-ce que cela signifie? Quand on parle d'une prière efficace, ça veut dire une prière de qui est suivi d'un bon résultat. Même nous, à Métis, on dit que non, un traitement efficace, non? Quand est-ce que nous parlons d'un traitement efficace? Ça veut dire qu'on a donné le traitement et puis on a vu aussi les résultats positifs. C'est ça. Donc, un traitement efficace, c'est un traitement qui donne, donc, qui donne un résultat aussi positif. Traitement efficace, c'est ça qu'on fait, ça va signer, oh, et ça peut être à l'obéissance. C'est de la même chose avec la prière. Maintenant, pour avoir ce résultat positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Et quelle est la prière la plus forte, la prière la plus meilleure pour que ça soit efficace? Mais nous sommes en besoin aux alliés à Moutou pour être eux à la efficace. C'est pas seulement une prière. Donc toute la prière, donc tu peux faire la prière de remerciement. Tu peux faire une prière d'adoration. Tu peux faire une prière de confession. Mais toutes ces prières là seront efficaces si c'est accompagné de la justice. Parce qu'elle a dit que ici la Bible dit la prière fervente des justes a une grande efficacité. Donc ça ne dépend pas des temps. Mais efficace du résultat.
efficace nous allons voir aussi nous allons prendre l'exemple de Jairus. Prenons nos Bibles. Ces versets dans ce chapitre, je n'ai pas compris. Là-bas, vous voyez que les Saint-Esprit sont dans cet esprit, il va m'en amener. La vie au vent, c'est là qu'il y a une réponse dans vous. Prenons maintenant Marc 5, 22 à 27, depuis 35 à 42. Marc 5, 22 à 25, nous lisons au nom de Jésus. Alors, vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus. Qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite prière, continuons. Ma petite prière est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le guérit et le pressait. Or, il y avait une femme enceinte atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Sautez là-haut. Votre ami soit au Luban. On continue. Soit sur vos joies 35 à 42. 35 à 42, nous disons, comme il parlait encore sur le chef le chef de la synagogue des gens, qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître, Mais Jésus, quand il eut entendu ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus fit une bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort. Mais elle dort. Elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, l'ayant fait sortir de tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main. Et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi. Je te le dis, assis-toi, la jeune fille. Se leva. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Ici, nous voulons parler de la prière instante, de une instante prière. Quand nous disons qu'on a besoin de sambo, ça, il y a tic-tac. Donc, toujours les secrets d'une prière exaucée. On a besoin de ce que les gens ont le sambo et le macas. Ici, nous prenons l'exemple de Jairus. Quand nous disons qu'on a besoin de qui c'est Jairus. Donc, il était le chef de synagogue. Il a entendu parler de Jésus. Sa fille était, donc, elle était mourante. Quand il arriva avec tout près de Jésus, la Bible dit qu'il s'agit. Il commence maintenant
à supplier Jésus. Donc une prière qui était courte. Voilà ce que je dis que la communication et l'éloquence devront transmettre un message qui est clair, qui est net et avec précision. Jairus a passé son message direct devant Jésus. Quelle est notre attitude, donc, surtout nous les enfants de Dieu? Quand Jésus a dit, bon, ça va, on part maintenant prier pour ta fille. La femme de perte de sang s'est présentée. Donc son cas, donc il est venu. Il dit que quand je touche même derrière, lui aussi est venu avec son problème. Jésus a dit que quelqu'un m'a touché. Donc ça a pris maintenant le temps. Quand Jésus commençait à chercher celui qui l'a touché, et au temps où la femme se présente, il dit non, mais tes maîtres, c'est moi. Donc ça, il est temps. Donc ça, il est temps. Or, Jaïs a déjà posé son problème. Et pourtant, Jacques a si un peu déjà moi avec les quêtes. Et quand sa femme s'est présentée devant Jésus, moi, c'est moi, elle, Jésus dit que non, femme, va en paix. Les gens sont venus vers Jaïs. Donc c'est le découragement. Donc nous devons faire attention. Il faut peser tout si ça. Si tu as ton problème, tu exposes ça à Dieu. Toi et tant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit les oreilles spirituelles. La foi vient de ce qu'on entend. Ce que nous devons entendre, c'est la parole de Dieu. Et la parole que tu vas entendre, ça va te fortifier. Témoignage de maman Mado. Il voulait laisser. Mais Ismaël l'a mis dans une poche qui était motivée. Mais en bas, parce que une poche qui était positive. Il dit accroche-toi. Mais combien de personnes viennent toujours me décourager? Même avant de commencer, nous sommes des infirmières, nous sommes arrivés ici, on avait des problèmes. Donc pour pas accoucher dans des emplois. Donc il faut commencer par faire les flègues ici. Et avant de commencer, je nous sommes... Combien de gens qui nous ont découragés? Baba tout bon, il va décourager. Vous savez pas quoi, c'est là. Même quand nous sommes arrivés pour faire la langue, mais à la fin, ça a payé. Quand on a donné les séjours de 6 mois, il faut aller travailler. Tu vas travailler où ici en Allemagne? Les chefs vont parler l'allemand. Donc tu dois écouter pour qu'ils ne puissent faire ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est parti chercher le travail. On a commencé. Nous, on travaille, on progressait. Mais les autres, avec les chefs, ça ne marche pas. Boum, boum. Il parle de l'autre côté. On ne se comprend pas. On pose des questions. Fais ceci, Axo. Non, tu sais pas Axo. Il faut répondre. Pundigo. Maintenant, je vais aller apprendre un peu la langue, c'était trop tard. Ils ont eu le retard. Quand ils sont partis chercher la langue, nous, on progressait.
C'était le séjour de 6 mois. Après une année, on travaillait 2 ans. Et après 2 ans, la nationalité. Dans notre pays, c'était facile la nationalité. On nous a donné des journaux. Donc il va te pousser, tu vas aller loin. Oui, à continuer de cailler. Mais si tu approches avec les négatifs, tu vas rater. Voilà pourquoi Jairus était calme. Il était serein. Malgré le numéro, ta fille est déjà morte. Jésus le regardait. Calme. Elle a foi. Elle a foi. Elle dort. Elle a fait confiance à son Dieu. Elle était face comme ça à Jésus. Ça ne passe pas surtout nous les enfants de Dieu. Surtout pas plus au bas dans un peu. Donc on n'a pas confiance à ces dieux-là. Il était calme. Quand Jésus était malgré, il disait, après il a pris Jairus, et la chose très importante, Jésus avant d'aller prier, il a dit que donc, la foule était avec les disciples. Avant qu'il pensait qu'il battait, la responsabilité. Donc, le papa est responsable. Nous on faisait ça même quand on était à Kinshasa. Donc, les cas, donc, il y a d'autres cas de délivrance. On ne peut pas amener n'importe qui. On n'amène pas n'importe qui. Il faut combien maintenant. Moi, si tu amènes quelqu'un qui n'est pas bien affermi, vous faites la délivrance. Les mêmes démons sortent. Entre avec la personne que tu es accompagné. Voilà pourquoi il a pris seulement ces trois-là. Il était très donc ils étaient des responsables. Responsables. Ils étaient tout près de Jésus. Donc on ne prend pas n'importe qui. Mais pour aller arranger des trucs là spirituels, aller prier, faire même des trucs de Dieu. Donc il y a des gens qui s'amusent avec les spirituels. Papa, si je dis toujours. Celui qui a créé le monde est esprit. Oh, Moutoura, qui est là, mon kilo. Devant des problèmes, des situations difficiles, donc tu deviens embrouillé. Et tu commences même à attendre donc des conseils de qui vient de gauche à droite. Oh, il y a des prophètes. Moi, je dis comme ça, ben là, tu as un numéro pour moi, la petite cotade. Et quand tu vas appeler les prophètes, les prophètes aussi, au bamboula, non? Je vois ton cas. Et il souffre de graves souffrances. Donc tu vas me donner. Donc ton cas, donc il faut vraiment 800 ou 1000 euros. C'est ça. Mais si tu as confiance à Jésus, si tu as confiance à ton pasteur, il va t'accrocher, il sera serein, et à partir de la sérénité, à partir de cette confiance, tu verras aussi les résultats. Tu verras la main de Dieu. Jairus est parti avec Jésus. Ils sont entrés dans la maison déjà pleins. Et Jésus dit, pourquoi vous pleurez? Mais c'est un fardeau. Jésus connaissait qui il est. Et Jairus connaissait aussi qui est Jésus. Les trois là aussi connaissaient. Lève-toi. Moi, c'est à télé. Il s'est réveillé, donné à manger. À la mouki, papa, c'est biloko. Les miracles. Bicamou ici. Bien aimé, les miracles. Bicamou ici. Les secrets des miracles. C'est qu'il est à Bicamou ici. Il priait.
prière, instant, une prière de confiance, une prière de foi. Oh, y a pondi ma penza. Tu lui fais une prière avec foi. Tu lui penses que ça la penza. Et tu fais ça que non, moi je suis juste devant Dieu. Et puis oh, y a puis penza qu'il y a ça aux amis moyens que de lui poser dans un de la parole de promesse de Dieu. Le sang vous penza où elle a dit et la dame ça lui penza na na la parole dans un de promesse. Et puis la na na lui l'ont dans un de. Tu verras les résultats. Et puis au commun avant pas non. Dieu est juste. Nous avons besoin juste. Il est fidèle. À sa penza fidèle. Pour donner l'exemple de Ézéchias. Ézéchias était malade. Ça, Ézéchias, ça qui m'a béni. Le prophète est venu. Le prophète partait, sortait. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Ézéchias, c'est qu'il est tourné vers les mille. Alors, donc, il rappelle Dieu. C'est un discours qu'on rappelle. Amis, Dieu, éternel, souviens-toi de moi. J'ai marché droit devant toi. J'ai fait ta volonté. J'ai fait ce que tu m'as dit de toi. Seigneur, pourquoi tu veux que je puisse te remonter? Je vais ouvrir, chercher, vous allez trouver. Il est là, il est à côté de toi. Pour t'exaucer, pour te donner la réponse à ton problème. Les problèmes qui te tourmentent, parfois la nuit tu ne dors pas. Parfois la nuit tu comptes les problèmes qui sont les murs. Donc tu pleures, parfois les yeux rougissent. À cause de ces problèmes, il te dit aujourd'hui, crois seulement, comme l'a dit à Jairus, crois seulement, comme l'a dit à Marthe et Marie, crois seulement, Marc, et t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, malgré ta maladie, malgré ta sécheresse, malgré ton problème, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mettons-nous debout. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi. Commencez à prier, bien-aimé. Moi, je ne connais pas ton problème. Mais t'es dit, sois clair. Sois net. Sois précise, bien précise. Dans ta requête. Il est là pour les recevoir. Il veut recevoir ta requête. Mais pas à gauche et à droite. Mais sois clair et net. Parce que la Bible nous dit, la prière fervente des justes a une grande efficacité. Prière fervente des justes
a des effets. Dieu veut t'exaucer cet après-midi. Sois clair et lève. Fais une prière de foi. Tu connais ton problème toi-même. Commencez à prier. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Dieu, je veux que tu me fasses ceci, cela. Sois clair, sois net. Pour une ou deux minutes. Parce qu'une instant prière ne demande pas de des heures et des heures. Une instant prière a aussi une grande efficacité. Alléluia, alléluia. Père, nous te disons merci. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Merci parce que tu nous as parlé de la prière. Une prière fervente et juste a une grande efficacité. Nous venons vers toi, Seigneur, te demander que le Saint-Esprit nous couvre. Que le Saint-Esprit, que ton onction nous dirige. Parce que sans ton esprit, nous ne pouvons rien. Sans ton esprit, Seigneur, nous ne savons pas prier. Car Paul a dit, je prierai avec intelligence. Je prierai aussi dans l'esprit. Nous voulons prier, Seigneur, dans l'esprit. Nous voulons prier dans l'esprit. Nous voulons que l'esprit de Dieu vienne nous diriger. Parce que c'est toi qui sonne le cœur de l'homme. C'est toi qui nous connais plus que nous-mêmes. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que Seigneur, ta parole est toujours accompagnée de miracles. Ta parole guérit. Ta parole délivre. Merci parce que tu es en train de bénir quelqu'un. Tu es en train, Seigneur, de guérir quelqu'un qui est malade. Tu es en train de toucher. Parce que tu es le Dieu des miracles. Sois loué, Seigneur. Sois béni, Adonai. Le Seigneur des Seigneurs. Merci. Parce que ta parole dit, va te mettre ici, qui nous a guéris. Merci sur la croix. Tu t'es fait malédiction pour nous couper de tes bénédictions. Sois loué, Seigneur. Sois béni. Parce que tu nous as comblés de tes bénédictions. Tant spirituel, physique et matériel, soit loué, dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Acclamons notre Dieu, mettez la femme de ma foi pour la chance.